J'ai regardé la vidéo de Dougouté, pardon, j'ai dit la vidéo, la publication de Dougoutigui. Dougoutigui, ça va mon frère? Aujourd'hui, j'aimerais te parler, tu sais. La chance, là, Dieu donne ça une seule fois. Hein. Maintenant, quand Dieu te donne une fois la chance et que tu n'as pas pu saisir la chance, tu vas souffrir un peu. Mais à toi maintenant de montrer à Dieu que tu as changé et que l'esprit qu'il a mis en toi, là, fait que tu peux encore demander une deuxième chance et Dieu va essayer de t'aider. Ton buzz a appris. Même si c'est 1000 francs ils t'ont donné. Même, bon, prenons, disons les choses. Quand il dit 1000 francs, même si c'est 1 million tu as reçu là. Les 1 million là, le village où tu étais là-bas là. Tu payais une petite parcelle. Tu comprends un peu, non? Peut-être c'est que dans le village où tu étais dans ce temps-là, où ça va rentrer dans tes oreilles là. Si c'est trop, le terrain t'es payé 100 000 ou bien 50 000 francs. Tu payais. Tu vois les briques en dur là, en sable là, jeu béton là, tu fais ça. Ça, ça donne au moins 200 000 francs aux villageois, ils vont framponner ça pour toi. Tu viens acheter un peu de ciment, tu crées une petite maison, tu es dedans. Tu comprends? Tu l'as pas fait. Aujourd'hui, Dieu fait grâce à Sanayek, t'a aidé avec machine à laver. Tu penses que tu dois fermer maintenant ta bouche et puis travailler. Mais quand tu fais ce genre de publication, et c'est pas ce que tu veux, parce que tu penses que tu es le créateur du buzz. Non, tu n'es pas le créateur du buzz, mais tu es le créateur de la lâcheté, tu es le créateur de celui-là même qui sait pas ce qu'il dit. Tu vois. Sois sage. Je vais parler au plus profond de moi-même, mais sois sage. Très, très sage. Sois très sage. Tu comprends, non? Sois très sage. Je vais m'arrêter là. Tu es mon petit frère. Tu te parles en tant qu'un grand frère. Sois sage. Sois très, très sage. Sois très sage. JM, blogueur 2.0.